Eh bien, salut à tous, c'est Cyril. On se retrouve aujourd'hui, les amis, pour un nouvel épisode de Un jour, un match. Aujourd'hui, on va commencer et on va faire la finale. Cela commence en rapport avec la Ligue 1. Précédemment, vous avez pu voir aussi It Begins, donc cela commence aussi, mais version BPL. Donc aujourd'hui, c'est la Ligue 1. Il fallait faire c'est les mêmes critères, mais vraiment les mêmes critères que la compétition pour la BPL. Il faut juste 18 joueurs, titulaires et remplaçants. Donc en total, ça fait 11 plus 7, 18. Avec des joueurs de Ligue 1, j'ai fait une petite équipe assez originale aujourd'hui. Pourquoi? Parce que j'ai fait une équipe avec les transferts. Voilà, donc vous allez la voir, je vais vous la présenter. Et en gain, c'est exactement pareil. On a 5000 crédits et un pack de joueurs premium. Avec malheureusement des joueurs invendables. Je crois qu'on a eu un petit Rooney, je crois, dans la compétition pour la BPL. Donc c'est parti, it begins. C'est le dernier jour pour la faire. Et tout s'est très bien passé. 7-0 en 8ème, 5-3. En quart et victoire 2 buts à 1 en demi-finale. Voilà, donc on marque quand même pas mal de buts. On encaisse, bon, 4 buts encaissés sur 3 matchs. Bon, ça passe, c'est le reste du FIFA, ça passe. Pour ceux qui ont vu, les amis, un peu tout ce qu'il va avoir sur FIFA 17, n'hésitez pas aussi à lâcher un peu vos impressions, parce que franchement, j'en ai pris plein la vue. Autant chaque FIFA, je les aime bien, tu vois, les nouveautés qu'ils mettent, c'est bien. Bon, après, ça n'a rien à voir avec tout ce qui est script, équilibrage, faut pas y mettre dedans. Mais dans tout ce qu'on voit, aspect visuel, franchement, le FIFA 17 donne très envie. Le mode de jeu pour la compète, là, je vais le saigner, c'est sûr. Franchement, les vidéos FIFA 17, il y en a avoir de partout sur ma chaîne et plein de concepts très, très, très différents. Et originaux, donc c'est parti pour la finale, 5000 crédits ainsi qu'un pack, la voici mon équipe. Alors il n'y a que des joueurs transférés, j'ai essayé de pas trop mettre de Marseillais, parce que bon, j'ai vu qu'ils ont changé 99% de l'équipe, on aurait pu en mettre deux partout. Mais bon, au cage, j'ai mis Areola, dans l'axe Doria et Nicolas Nkoulou. Alors Doria, c'est pas vraiment un transfert, parce que ça fait quand même 2 ans qu'il est à Marseille. Mais il revient de près, donc on va dire que je l'ai mis dedans. Et franchement, il est pas mal, quoi, en vue de son très gros match qu'il a fait contre Toulouse. Hein, il a été élu, je crois, l'un des meilleurs joueurs olympiens sur le terrain. Donc je l'ai mis en défense centrale avec Nicolas Nkoulou qui a marqué un magnifique but. Une petite tête lobée, mais genre à l'arrêt. Le ballon, il rebondit, mais une petite tête, boum, par-dessus le gardien. À droite, j'ai mis Meunier. À gauche, j'ai mis Sidi B. Au milieu de terrain, j'ai Brian Dabo qui est pas mal. Hein, 3 matchs, 2 buts, 2 passes décisives, c'est très intéressant. Avec Krikoviak ici à 82 de général, 3 matchs, 1 but et 3 pas décisives. En numéro 10, j'ai mis Atem Ben Arfa. Il est pas mal. À droite, j'ai mis Florent Thauvin. Alors oui, c'est pas forcément une vraie carte de, on va dire, de transfert, parce que c'était une carte par rapport à un match de Coupe de France, je crois. Mais bon, j'ai mis quand même, ça reste un joueur transféré, c'est la troisième fois qu'il vient à l'OM. À gauche, j'ai mis Ressé et en pointe, j'ai mis Bafétimbi Gomis, qui est quand même pas mal. Hein. 3 matchs, 6 buts et 1 pas décisive. D'ailleurs, on a pu voir dans les célébrations de FIFA 17, on a vu le truc de Griezmann, le dab de Pogba et la panthère de Gomis. Ça, ça va vraiment être stylé à faire pour FIFA 17. Allez, c'est parti les amis, on lance le match en espérant bien sûr que cette vue va vous plaire. N'hésitez pas aussi à mater les épisodes qui sont passés sur la chaîne, donc les épisodes précédents. Parce qu'on a des équipes très diverses et variées, on peut avoir des super équipes, on peut avoir des toutes petites équipes dans la série Un jour, un match, que vous avez pu le voir dans l'épisode précédent. C'est en rapport avec les promus. Donc voilà, Metz, Nancy et Dijon, des petites équipes assez originales. Waouh! Et ben enfin les amis, on se retrouve pour pour la finale, parce que ça fait très longtemps que j'attends, environ au record, ça fait 7 minutes que j'attends, hein. C'est fou, il n'y a vraiment eu personne dans la finale. Allez, c'est parti, on va affronter... What the fuck? Valbuena et Amouma en pointe. D'accord. Donc c'est une Ligue 1, bien sûr, avec Cabella, Verratti, Matuidi, Gonalon, Pogba, Nkoulou, Beria, Ball, Trapp, Amouma et Valbuena. Il y a un truc qui cloche. Hey les amis, c'est parti pour la finale, objectif, bah, la victoire, c'est parti. Jouer ça. Avec Rikoviak, Bellar... Eh mais je vous jure, la caméra, elle fait mal aux yeux là. Thauvin, oh bien joué ça. La frappe, Florent Thauvin, allez on suit, bien joué. Bien joué. Le but, les amis, de Grégory Krikoviak. Alors, je sais pas, il y a un petit bug, là, dans FIFA. Pourquoi? Parce que déjà, il n'y a plus de son. Je sais pas si vous entendez, il n'y a pas le son de match. Et en plus, la caméra, elle bouge. Genre, ça fait bizarre, ça fait mal aux yeux, t'as envie de gerber. Mais bon, c'est pas grave, on mène 1-0 avec un peu de chance, quand même. Le but de Grégory Krikoviak. Bien joué, ça. Par contre, le milieu de terrain Dabo Krikoviak, c'est très solide, hein. Allez, Atem, hein. Tu peux éliminer les joueurs. Bien joué! Bien joué, le petit but, les amis, d'Atem Ben Arfa. Voilà, 2-0 à la 16ème.
Bah, ça se passe plutôt bien, hormis que la caméra du match bug et que j'ai plus de son. Bah, à part ça, tout va bien. En tout cas, là, bon, j'ai pas beaucoup dribblé, mais j'ai entendu que ces défenseurs se jettent. Ils ont fait un grand espace, j'ai frappé, et c'est passé, tant mieux pour nous. 2-0 dans cette finale. Ah, bah voilà! Et bah voilà, ce fut rapide, les amis, l'adversaire qui a craqué psychologiquement. Et on remporte cette finale, bon, c'est quand même dommage, vous proposez seulement 2-3 minutes de gameplay. Mais bon, j'y peux rien, cet adversaire H-Kit. En finale, voilà 5000 crédits et bien sûr le pack débloqué. Brian Dabo 10, hein, c'est très rare. Quand tu vois qu'il y a un joueur qui a 10 de notes, c'est très bien que t'as pas joué longtemps. Allez, 5000 crédits in the pocket. Voilà, bon, hein, 3 tirs cadrés en l'espace de quoi, de 20 minutes à peu près. 2 buts, ça se passe plutôt bien. Voilà, c'est rapide les finales comme ça. En même temps que le parcours qu'on a eu, c'est vrai qu'on n'a pas eu trop de difficultés. Ok, allez. Vous êtes chauds, les amis là? Est-ce qu'à votre avis, on pourrait taper, quoi qu'en joueur Ligue 1, ouais, hein, à Paribra, qui n'est plus là, on n'a plus grand-chose, hein. Glick, ouais, en super genre, après, il y a Thiago Silva, c'est vrai. Pogba, Ndong, celui qui a coupé l'oreille. Bon, c'est pas fait, on le blâme un peu, mais c'est, il n'a pas fait exprès, hein, de couper l'oreille à Jérémy Ménez. Rekik, oh oui, c'est un gros pack. Allez, on va tout garder, non, par contre, lui, désolé, je peux pas. Non, je ne peux pas. Allez là. Voilà les amis, j'ai kiffé cette petite vidéo assez rapide, c'est le cas de le dire, voilà. J'y peux rien, je suis vraiment désolé de vous proposer si peu de gameplay, vous savez très bien que j'ai fait beaucoup de matchs. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui me disent, ouais, Cyril, ça serait bien, enfin, c'est bien, enfin, ce qu'on voit sur ta chaîne, c'est très bien, pourquoi? Parce que tu proposes toujours du gameplay, même si c'est la fin de faire. Bah oui, c'est un peu mon but, je suis pas là pour faire des vidéos buzz, des vidéos délire ou des vidéos défis de la merde. Je suis là pour poser des vidéos sur FIFA et on tape Ben Arfa dans un petit pack à 35K. Et ben voilà, c'est plutôt pas mal. Les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Prenez soin de vous et comme je dis, on se retrouve très 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 vite pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye.